Good morgen, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Nushmat, Moriv Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Machlouf Micha ben Masouda, Rivka ben Levi, Yitzhak Dov ben Yehudit, et Avram Chaim Orber ben Fortuné Mazal, si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah. Contactez les 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Kenim, Perek Aleph, Mishnah Dalet. Keitzad Mishem Echad, Leida ve Leida, Ziva ve Ziva, Mishem Echad. Mishne Shemot, Leida ve Ziva. Keitzad. Et Keitzad Shtenashim, Alzo Leida ve Alzo Leida, Alzo Ziva ve Alzo Ziva, Mishem Echad. Mishne Shemot, Alzo Leida ve Alzo Ziva. Rabbi Yossi Omer, Shtenashim Shelakru Kinehen Be'eruv, O Shenatnu Dmei Kinehen Lakohen. Lezo Sheirtse Kohen Yakriv Chatat, O Leezo Sheirtse Kohen Yakriv Ola. Ben Mishem Echad, Ben Mishnei Shemot. Mishnah très simple si vous avez compris le principe des Mishnayot précédentes, que maintenant je vais les rappeler très concisément. Tout d'abord, il y a des Khatat et Ola. Pour plusieurs expiations, il faut porter un Khatat en Ola. Khatat en bas du Misbéach, Ola en haut du Misbéach, premièrement. Deuxièmement, un Khatat et un Ola qui se mélangent, que je ne le reconnais plus, je ne peux plus faire de Corban, parce que je ne peux pas le faire en haut, peut-être que c'était le Khatat, je ne peux pas le faire en bas, peut-être que c'était là ou là. Un oiseau qui se mélange avec 1000 oiseaux. Un Khatat qui se mélange avec 1000 Ola. C'est fini, on ne peut plus rien faire avec ces oiseaux si on ne le reconnaît pas. Les 1001 oiseaux, il faut les laisser mourir, parce que les êtres vivants ne s'annulent pas. Balechaim en anil betlin. Et il faudra, dans ce cas-là, les laisser mourir de faim. Parce que, dans ce cas-là, je ne pourrais pas, dans le doute, ni les faire en haut, ni les faire en bas, peut-être que c'est le Khatat, peut-être que c'est le Ola. Ça, c'est une introduction très générale. À part ça aussi, on avait expliqué que lorsque je désigne un Khan, une paire d'oiseaux pour apporter Machova, pour le moment, il y en a un qui doit être Khatat et l'autre qui doit être Ola, quoi qu'il arrive. Je peux jouer entre les deux, désigner que lui sera le Khatat, lui sera le Ola, ou inversement. Mais dès que j'en ai pris un pour devenir Khatat, l'autre sera Ola. D'où la complexité. Lorsqu'il va y avoir un Khatat qui va se mélanger avec une paire d'oiseaux, ou avec trois paires d'oiseaux, il y a aussi une possibilité de désigner trois paires d'oiseaux en même temps, sans les définir, ça fera trois khatat, trois ola en même temps, d'accord? C'est la notion qu'on a appris. Après, on avait un peu compliqué l'histoire maintenant avec, dans la mission présente, avec des chova, avec des paires. Moi, j'ai désigné trois paires d'oiseaux pour moi, et l'autre, il a désigné trois paires d'oiseaux pour lui, et il s'avère que tous ces oiseaux sont mélangés, combien est-ce que je peux apporter? Et on avait appris que tu prends le chiffre, le minimum, qui s'est mélangé, c'est-à-dire si moi j'en ai apporté 2 et lui il en avait 5, donc 2 c'est le chiffre le plus petit, tu prends 2 paires d'oiseaux, tu décides qu'il y aura 2 khatat et 2 ola uniquement, tu ne pourras pas faire le reste, parce qu'il faut toujours s'amuser dans le, que chaque oiseau que tu vas tirer, tu pourras dire dans le doute que de deux choses l'une, tu peux le faire en khatat ou tu peux le faire en ola. Mais tu pourras pas, mais si toutefois tu peux plus, il peut y avoir une configuration qui va faire que maintenant, cet oiseau tu ne peux pas décider est-ce qu'il est khatat ou ce qu'il est ola. Eh bien, tu ne pourras plus apporter ces corbanotes. Ça, c'était les notions qu'on a prises dans les Mishnah précédentes. La Mishnah précédente nous précisait maintenant. Sache que lorsque maintenant tu as des paires d'oiseaux de Chova qui se mélangent avec d'autres paires d'oiseaux de Chova, 2 avec 5. Ouais. Alors la Mishnah nous disait, tu sais, le principe sera le même, qu'il s'agisse de Shem Echad, Shnei Shemot, d'une cause d'interdit ou d'expiation, ou de deux causes d'expiation, c'est-à-dire c'est les... Moi j'apporte des chovas parce que j'étais zav, et toi t'apportes des chovas parce que t'étais une femme qui a accouché. Ben ça revient au même, on aura les mêmes principes. Qu'est-ce qu'on fera concrètement? On n'a peut-être pas précisé dans la mission présente, dans la mesure maintenant moi j'ai eu deux paires qui sont mélangées avec les cinq paires de la dame. Et bien maintenant on apportera deux, et puis on se partagera, on calculera, on fera un partage logique, quoi. Puisque moi j'ai deux septièmes en fait qui me partiront, deux septièmes, et elle est la 5/7, donc maintenant, on calculera selon la valeur que ça vaut, et puis on se remboursera entre nous. Ça, c'est pas un problème. Et voilà, donc la Mishnah maintenant commence à m'expliquer. Tu sais, Keitzad Mishem Echad, comment se présente le cas qu'on est tous venus avec des Shem Echad, avec la même cause, c'est très simple. Leida ve Leida. Une, elle a apporté des corbanotes parce qu'elle a couché, l'autre, elle a apporté des corbanotes parce que ça a couché, ils se sont mélangés. Ou encore Ziva ve Ziva. Une, c'était une impureté de Ziva, que lorsqu'on sort de cette impureté, il faut apporter un korban. Et l'autre aussi. Tout ça s'appelle Mishem Echad. Shem Echad, un seul nom, un seul même interdit. Maintenant, Mishne Shemot, comment se présente le cas avec deux causes différentes? Eh bien, Leida ve Ziva.
Une à la porte parce qu'elle a accouché, l'autre à la porte parce qu'elle devenait pure de sa ziva. D'accord? Peu importe, il y aura le même principe, vous apporterez le minimum qui s'est mélangé. Keitzad shtei nashim. Maintenant, comment se présente le cas avec deux femmes? Alors, c'est simple aussi, même principe. Al leida zo ve al leida zo. Al zo leida ve al zo leida. Pour une, elle doit apporter parce qu'elle a couché, et l'autre, elle doit apporter parce qu'elle a couché. Al zo ziva ve al zo ziva. L'autre, elle doit apporter parce que. Une, elle doit apporter parce qu'elle est devenue pure de sa ziva. C'était des écoulements spéciaux hors cycle. La ziva, c'est toute une soirée dans ta haute. Et l'autre aussi, elle doit apporter aussi pour la ziva. Eh bien, tout ça s'appelle Mishem Echad. Et Mishne Shemot, comment se présente le cas avec deux Shemot. Alzo Leida ve Alzo Ziva. Qu'une, elle doit apporter deux qui est deux cannes parce qu'elle a couché. Et l'autre, elle doit apporter deux kinim parce qu'elle était deux fois Ziva. Zava. Ok. Maintenant, pour le moment, c'était très simple, c'était évident. Et là aussi, ça va être très simple aussi. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi enseigne. Shtei Nashim Shelakru Kineem Be'eruv. S'il y a maintenant deux femmes qui ont désigné, nouveau cas de figure, deux femmes qui ont désigné, qui ont acheté des cannes en les mélangeant, mais depuis leur source, on va expliquer comment ça se présente, O Shenatnud Meikinehen la Kohen, ou encore qu'elles ont donné au Kohen, en leur disant, tu nous achèteras pour nous des kinim, des paires, moi j'ai accouché, mon amie elle a accouché, tu nous achètes pour nous chacun sa paire. Elles ont donné chacune, c'est 50 shekels, 50 shekels, pour pouvoir aller acheter maintenant quatre oiseaux. Les Oshéirtse Kohen Yakiru Fratat. À seul, il va maintenant le Kohen, il pourra aller les acheter, ou bien s'il a récupéré les oiseaux, il les récupérera, et puis il a les quatre mélangés. Les Oshéirtse Kohen Yakiru Fratat. À celle qui veut, il désignera, il dira, ah bon, ça c'est la Khatat de Rachel, mais les Oshéirtse Kohen Yakiru Ola, et pour à celle qui voudra, il pourra offrir une Ola, Ben Mishamechat, Ben Mishne Shemot, qu'il s'agisse d'un seul interdit ou de deux interdits, on explique un petit peu mieux le cas. Une petite finesse, on peut compliquer l'histoire, mais on va le dire très simplement, Be'ezrat Hashem. Il s'agit en fait là, cette fois-ci, on ne parle plus de mélange que moi, qu'une première femme, que Rachel et Léa. On ne parle plus que Rachel, elle était venue avec ses deux oiseaux bien définis, et l'autre, elle est arrivée avec ses oiseaux définis qui se sont mélangés. Non, ce n'est pas le cas. Elles sont parties a priori, achetées chez le vendeur d'oiseaux. Elles ont venu acheter quatre oiseaux parce qu'elles ont deux cannes. D'accord? Elles ont ensemble. Chacune a un devoir d'apporter une paire, donc elles sont venues, elles ont acheté en même temps les deux paires d'oiseaux, mais en payant en même temps et en le prenant en même temps. Donc il s'avère qu'il n'y a aucun oiseau qui a été désigné à l'une ou à l'autre. Aucun oiseau qui a été désigné à l'une ou à l'autre. Donc il s'avère que maintenant je me retrouve avec quatre oiseaux, deux qui appartiennent à l'une, deux qui appartiennent à l'autre, mais pour le moment c'est tout indéfini. Et dès que le Cohen voudra prendre un oiseau, il pourra dire, bon, bah maintenant je fais avec, j'en tire un, ça va devenir le khatat de Rachel. Et qu'est-ce qu'il va faire le Kohen? Eh bien, quand il va désigner comment c'est devenu le khatat de Rachel, il s'avère que maintenant, il est en train de faire une transaction, en fait. Il est en train de faire que maintenant, Léa va donner la moitié de l'oiseau à Rachel, et en contrepartie, elle va prendre un droit à recevoir l'autre moitié d'un autre oiseau quand le Kohen le désignera. D'accord? C'est le principe, c'est relativement simple. Il y a de quoi compliquer un petit peu avec la Brera, mais je préfère pas alourdir, je pense que ça suffit pour le moment. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov. Salam.